Alors, est-ce qu'on est bon? Alors, le temps de partager tout ça. C'est parti pour suivre le live spécial. Spécial 300e live. Non, peut-être pas. Spécial 20 ans de Xbox. Voilà. Quand tu veux, Jackie. Live qui commence dans 20 minutes, le stream. Le stream de Xboat. Je vais vous mettre le lien du stream, hein, comme d'habitude. Et Twitter, maintenant. Le 4 avec son projo, comme d'habitude. Suivre le live spécial. 20 ans. Non, pas 210 ans, quand même. Salut Riku, bienvenue à toi! Alors, étant donné que j'ai tapé tes chiffres genre 20 ans, 2, 0, je vérifie bien que ma voix soit pas déformée, hein, ça m'a suffi la dernière fois. Salut Kaiser, bienvenue à toi! Bienvenue à vous les gens. On est parti pour ce live tout en folie, avec le stream, pour suivre le stream spécial Xbox, spécial 20 ans de la marque, qui commence dans 20 minutes, à 19h pile poil. Comme je vous avais dit avant-hier, et on va bien voir ce qu'ils nous ont réservé, hein, tu sais quoi. Moi, je me suis renseigné le moins possible, hein, pour éviter les leaks et ce genre de trucs. L'épreuve Vossler énorme. Excellent. Tu le re-regardes. C'est énorme. Une épreuve magnifique, exceptionnelle, comme d'habitude. Alors, je vous mets le lien, hein, comme d'habitude, de la conf qu'on va suivre si vous voulez le regarder de votre côté. Je pense qu'on va le suivre sur le ce que vous entendez maintenant, là, le countdown, 21 minutes. Le compte Xbox officiel FR de YouTube. Regarde. Voilà. Et ça, c'est bien la preuve qu'on n'est pas en stream. Énorme. On n'est pas en stream pour rien. Voilà. Comme d'habitude, il y a des gens qui vont oublier, j'en suis sûr. Ils vont oublier qu'on est en live aujourd'hui, qu'on doit suivre ce stream. Mais ça va aller, hein, y a pas de problème. On va voir ce qu'ils vont nous réserver, hein. Moi, je m'attends pas à des miracles. Faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire, je pense. Mais je pense qu'il peut y avoir quelques surprises. Parce que, comme d'habitude, ils préviennent... Sakurai a acheté une Series X, énorme. Le rachat de Nintendo. Il y aura une annonce, à mon avis. Xbox disait qu'il fallait se calmer, comme d'habitude, qu'il n'y aura pas d'annonce de jeu et ce genre de truc. Mais chier ce truc, j'arrête pas de faire comme ça, là. J'ai l'impression qu'il descend sans arrêt. Mais t'as un insider, comme d'habitude, qui nous explique que... est-ce que je peux vous retrouver le tweet? C'est compliqué parce que j'ai pris la décision de ne plus aller sur jeuxvideo.com. Donc pour retrouver le lien, je sais plus où je l'avais vu. Je vais essayer de regarder sur le Discord. Où est-ce que j'avais entendu parler de ça? Le mec, il avait... Il y a un mec haut placé qui, comme d'habitude, avait dit... quelqu'un que je connais va... J'essaye de regarder en même temps. M'a dit qu'il fallait quand même regarder le stream, qu'on veut on veut être présent pour ce soir, pour une annonce en particulier... Et le mec, il m'a jamais menti ou ce genre de truc. Est-ce que je peux vous retrouver le lien? C'est surtout des tweets sur GTA Trilogy avec les bugs. Le retour de 1 contre 100, c'est vrai. Ça a été annoncé, enfin c'est en rumeur, de Andy Robinson. Ils disent... ça a été affirmé par quelqu'un, le retour de 1 contre 100... Là, c'est con de pas avoir de Xbox. Est-ce que ce sera sur PC? J'en sais rien, parce que j'ai pas eu la chance de connaître. Ça a été annoncé le 11. Le 11 novembre. Jeudi. J'ai pas eu la chance de connaître sur 360 à l'époque. Hein. Tom Warren. Putain, c'était quand que j'avais vu ça, là? Je sais pas, c'était il y a quelques jours, hein, quand même. Salut Frayne, bienvenue à toi.
Oui, pour l'instant, on n'est que 3. Hein. Le rachat de Nintendo. Oui, pour l'instant, on n'est que 3 sur le live. C'est comme je disais tout à l'heure. Hein. On est... À mon avis, il y a pas mal de gens qui vont oublier hein, qu'il y a un live ce soir. En attendant, j'essaye de retrouver un tweet hein, avec un mec qui disait qu'il y aurait quelque chose d'important aujourd'hui. Ah, c'était après Mass Effect, là, le N7 Day. C'était après. Putain, c'était où? J'arrive pas à le retrouver. Le trône! Putain, c'était qui avait parlé de ça? Je sais pas si j'arriverai à le retrouver, hein, le truc. Il y avait un mec qui parlait de... qui disait que l'une de ses sources... Jeff Grubb. Non, je le retrouve pas. Un peu dommage. Mais bon, on verra bien si c'est du foin ou est-ce que... Salut Tom, salut Twiff, et salut Kankuro, bienvenue à vous. Et salut Aizen, tout le monde arrive en même temps. Incroyable, les pros Microsoft. Et une fois que j'ai pas oublié... Il y a Freyne et L4 dans les messages, c'est vrai. J'avoue. Salut à tous, bienvenue. Alors Twiff, est-ce que t'as vu... est-ce que t'as regardé Snake en vrai X? Salut. Le monde, une fois, j'ai pas oublié. J'ai pas connu un contre-sang. J'avoue. Hein. Honnêtement, bah, c'était un jeu de quiz hein, pour ceux qui n'ont pas connu. Et ça avait l'air vraiment bien. Hein. T'avais BB300 et Hooper qui ont fait de bien, bravo. Et. Merci le Twiff. J'espère que t'as kiffé. Ces références de qualité du L4, comme d'habitude. Je reste pas chez au boulot, d'accord, ok. Nickel. Et toi aussi, Riku, t'avais dit que t'étais au resto, c'est ça? Toi aussi, t'es en coup de vent, hein, il me semble. Parlons pognon, c'est quand que tu rends l'argent? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de... qui mérite de rendre le Larry excellent? Merci le Twiff. Les références de qualité comme d'habitude. Hein. J'aurais tué pour y jouer, c'était pas dit. Ah, toi, c'était pour ça. Moi, je crois que c'est parce que j'avais pas encore la 360 à l'époque et de toute façon, j'avais pas le live. Hein. Il me semble que je pars dans un bon quart d'heure. Ok. C'est con, ça commence dans 14 minutes, hein, comme d'hab. Justement. Moi, de toute façon, j'avais pas le online. Hein. Salut Momo, bienvenue à toi. Mais c'est vrai qu'un contre-sens, c'était le feu. Hein. J'espère que ce sera dispo sur PC, en plus de la Series X, pour le coup. Le soir. Bah, aujourd'hui, c'est une exception. C'est parce que dans 15 minutes, il y a le stream spécial 20 ans de la marque Xbox, tu sais. Donc c'est un stream spécial, hein, une conf, ce soir. Mais d'habitude, je... Non. C'est que le samedi. Je serai là en audio avec la 4G, plus de réactions possibles. Ok. Alors, les nouvelles rétrocompatibilités, c'est une possibilité, effectivement. Mais je pense pas qu'ils vont en parler ce soir. Hein. Je pense... Peut-être qu'il y aura des annonces de nouveaux achats de studios. Parce que Microsoft ont dit qu'ils voulaient pas s'arrêter là. Mais ils ont dit qu'il y aurait pas de jeux ce soir. Hein. Pas d'annonce de nouveaux jeux, hein. Mais entre ce qu'ils disent et ce qui va se passer vraiment. Mais il y aura au moins une annonce. C'est sûr qu'ils vont annoncer quelque chose pour les 20 ans de la série. Ça m'étonnerait que ce sera de la branlette intellectuelle avec des chiffres. Mais il y en aura, faut s'attendre à ça à mon avis. Xbox en 20 ans, c'est 100 millions de consoles vendues. C'est 30 millions d'abonnés au Game Pass. À mon avis, il y aura beaucoup de Game Pass. Parce qu'ils misent à donf là-dessus. Mais... Tout est possible hein, ce soir. J'ai pas vu les messages du L4. Je crois que j'en ai pas posté un seul, hein, d'ailleurs. J'ai pas posté un seul. Ah si, j'ai mis le lien de la conf. Ok. Une énième conf bidon.
Le retour du Sega Naba. Non. J'attends juste Rare Replay sur PC. Ouais, je sais pas. Ça fait un moment quand même hein, qu'il est sorti. Le putain, c'était sur 360. Hein. Le Rare Replay, il me semble. Mais avec le Game Pass, peut-être qu'il y sera. Je sais pas, hein, tout est possible. Seulement du multi free to play à l'eau. Ah, sur PC avec le X-Cloud. Énorme. Merci pour l'info, le twif. La rétro pour le 20 ans, c'est le moment idéal. Non, One le rare. Ah bon? C'est compliqué, hein, avec toutes ces histoires de Game Pass PC, Game Pass console, X-Cloud. C'est bizarre, quand même. Voir, je vais chercher de mon côté. Plusieurs... Can Rare Replay comme tout PC. Hein, c'est con, ça. Vous pensez que Rare Replay va être porté sur PC un jour? Ouais, mais je vais plus sur jeuxvideo.com. J'ai pris la décision de ne plus y aller. Parce que ça m'a déçu. Je suis choqué et déçu par JVC. Donc j'y vais plus. Maintenant, je me renseigne ailleurs. Sur jeuxvideo.fr, faut croire. Hein, c'est marrant, ils en parlent pas, là. Hein. Ils en parlent pas, hein, de... Game blague. Une promesse extraordinaire. Bon, bref. Qu'est-ce que tu m'avais dit pour une fois, j'ai pas oublié. La pause. Et c'est JV+. JV Sponso. C'est un peu la merde. Alors attendez, ça je peux le fermer. Ça aussi. 11 minutes 30 pour le début de la conf. Alors attendez, je reviens. Je vais chercher une bouteille. Le L4 a de la bouteille, comme d'habitude. Salut Orosco, bienvenue à toi! J'ai vu une vidéo de Exerve Babylon Fall. Ce jeu a l'air bien pourri comme il faut. Alors déjà, ce qu'il faut savoir avec Babylon Fall, c'est que... c'est le prochain jeu de... Platinum Games. Et ce sera un jeu service. Hein. Donc un jeu comme Marvel Avenger. Hein. C'est très étrange, mais bon. En même temps, c'est Square Enix, hein, je suppose. Quoique, c'est qui déjà l'éditeur, je sais plus. Oui, c'est ça. Hein. Si, c'est ça. Ah, quoi? Pourquoi ça commence? Attendez, chat commèche! Ça y est, chat commèche! Est-ce que vous entendez bien la voix? Je vais monter un petit peu. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la pré-conf, hein, le pré-show. Ah, mais il n'y a pas de sous-titres? Ça sert à quoi de le regarder sur la chaîne FR, là? Oh putain, énorme! Les années 80! Peter Parker, Tony Parker, merci merci Cassoulet, salut à toi. Salut à toi le Cassoulet. Au-delà de ça, rien ne va dans ce jeu, le peu que j'en ai vu, ça donne vraiment pas envie. Ah oui, quand même. Oui, je me suis dit, les confs,
Autant les suivre, hein. Hello, my name is Hyan Jung. Bonjour. And I am the chief of staff for Xbox. Mais y a pas les sous-titres. Help shape the course of my life. Elle est chinoise. Oh putain, énorme. Les dossiers. Ils sortent les dossiers. Donc encore une fois, je sais pas ce qu'ils vont nous réserver hein, pour cette conf. Énorme. She's already finished 3 console games on her own. Je sais pas, à mon avis, il y aura pas mal de branlettes, hein, au moins dans cette pré-conf, comme je vous avais dit tout à l'heure. Mais je sais pas ce qu'ils vont nous réserver, combien de temps ça va durer, j'en sais rien. Hein. Là, on part un petit peu vers l'inconnu. Mais c'est costaud, t'inquiète. Au fait, j'ai oublié de modifier les options dans OBS, là, avant de démarrer ce live. Ah, pauvre con, là. Parce que j'ai changé les options hein, pour autre chose. Et j'aurais dû modifier les paramètres là. La rediff sera en meilleure qualité que d'habitude. Prends ça. Joue à la Switch. La petite chinoise. Le seul bon point, les probables waifu. C'est ça. On parlait de mes couilles. Les possibilités des prochaines 20 ans, on a le temps de les voir. Bonjour. Since 2007, I've been a part of producing and supporting le Hellfest. C'est con qu'il n'y ait pas les sous-titres là. Xbox Fan Fest, and I'm so passionate about the program because it's all about bringing joy to you. Elle est passionnée par le programme et elle croit en Game Pass. Ah, il y aura le Fan Fest. C'est quand? Oh putain, ça, le logo de Perrier, ça ressemble. Eh ben, j'en sais rien, justement. Combien de temps ça dure Alors, je vais essayer de me... renseigner. Xbox fête ses 20 ans. Ils en parlent pas là. La 360. Ils en parlent pas. Ils ont pas de micro. Célébration mais include. Merde, vous me faites rater les waifu. Non, ils en parlent pas. Mais au fait qu'aujourd'hui je mangeais seul, j'ai cherché, j'ai pas trouvé le en direct pendant Forza mes couilles. Je mangeais. I love my community. Minecraft. Oh, d'accord, ok. Ben, ça... Ça a duré 5 minutes. On repart pour 5 minutes de... Alors, no fake, aujourd'hui, je mangeais seul au self. Un groupe de meufs est venu. L'une d'elles a dit... Décale-toi. Retour à l'école maternelle. Nu. A dit décale-toi. Décalco. Mais décalqué. Enfin, moi je pourrais pas, hein. Mais elles disent ça parce qu'elles sont en groupe, évidemment. Toute seule, ça a pas de couilles. Même en temps normal, ça a pas de couilles. Eh ben, c'est du beau. C'est du joli. Et ça, c'est le monde actuel qui déteint sur les gens. Les gens, ouais, c'est ça. Fin de la conf, c'était parfait. Attendez, je vais remettre le truc, quand même. Parce que sinon, on va le rater.
bifle et ça repart. Oh non, faut pas aller jusque là. Salut, c'était Twist, bienvenue à toi. Faut pas aller jusqu'à la baffe dans la gueule quand même, mais faut trouver la petite réplique, mais c'est vrai que c'est pas évident sur le moment. Moi, en temps normal, j'aurais rien dit, quoi. Ou alors ta gueule. Voilà, comme au lycée. Hein. Moi, au lycée, attention, c'était... Salut Crypt, bienvenue à toi. Même quand ça se moquait, même gentiment, je me braquais, hein, de ouf. Il y a certains trucs que j'ai pas appréciés. Elles ont toujours eu ce côté... ça date pas d'hier, hein. Ça date pas d'aujourd'hui et du côté progressisme, féministe, SJW. Ça date pas d'aujourd'hui, hein. Même il y a 20 ans, il y en a, c'était déjà des connes, voilà. C'était déjà des moqueuses et tout ça, hein. Faut pas se leurrer, hein. Donc c'est costaud. Attention. Je peux tellement pas le taire devant ce genre de personne. Rien à voir, je suis sur Watchdog, c'est du bon, n'hésitez pas. D'accord. Je passe en ghost. Merci, Ulricou. Pas de problème. Je me suis senti bien, je me suis dit, en fait, j'ai rien à faire avec des gens pareils qui se comportent comme au collège. Mais c'est malheureux de voir ça, que même dans ta branche... Quoi, tu vois, je pensais pas, hein, mais ça veut rien dire. Hein. Comme quoi, quand on dit qu'il y a des cons partout, ben c'est vrai. Hein, en mode Bassem, excellent. En vrouille, généralement, il y a toujours... Oui. Oh, c'est des gens qui se sont moqués du Roscoe. Je suis déçu. Je suis déçu de ma commu. Non, non, mais c'est dans son travail, hein, dans son taf, dans la vraie vie. Comme quoi, dans ta branche, on aurait pu croire que les gens n'étaient pas comme ça, mais tu vois... Comme quoi, quand on dit qu'il y a des cons partout, ben c'est vrai, hein, c'est pas une façon de parler, mais où que taille, il y en a sans arrêt, c'est un truc de fou. Et non pas le tai-chi. c'est triste, hein, mais c'est comme ça. Hein. Même dans la cambrouse, à un village avec 1500 personnes, faut croire... C'est dommage, hein, quand même... Ah oh putain, elle est bien fraîche, truc de fou, quand même. Tu sais très bien que c'est le drama direct. Oui, bien sûr. C'est le meilleur moment pour... le meilleur moyen pour que ça te retombe... Attention, moins d'une minute. C'est la meilleure façon que ça te retombe sur la gueule, hein, faut rien dire, hein, évidemment. C'est le meilleur moyen pour que ça te retombe dessus, hein, donc... C'est triste, mais c'est comme ça. C'est sûrement vrai. J'ai souvenir au collège, il m'apprécie pas trop. Dans les embrouilles, j'avais rien à voir. Quoi? Demande à Aizen, lui il est au courant. Hein? Est-ce que ici il me parle fichier là? C'est con. Allez, 20 secondes. Chacomèche! C'est parti, qu'est-ce qu'ils vont nous réserver? Salut Camille, bienvenue à toi. Effectivement, t'arrives juste à temps. 10 secondes, bonne année. Bien joué le Camille. Allez, c'est parti. Peggy 18. Ah ben ça commence là, c'est quoi ces conneries? Hein? Je croyais qu'il n'y avait pas de jeu. Ah oui, pas de nouveaux jeux. Mais peut-être des jeux déjà existants. Donc là, les logos des différentes Xbox, hein, tu vois. En sachant que, voilà, celui-là, je le connais, hein, même si j'ai jamais eu la console, parce que je joue à l'émulateur XEMU, c'est ça, CEMU, je sais plus comment il s'appelle. J'y ai joué récemment pour le Conquer Live and Reloaded. Il tourne pas trop mal, il y a quelques bugs, mais bon. Mais donc, je voyais ce logo quand je lançais l'émulateur. C'est con qu'il n'y ait pas de sous-titres, là. Gears of War avec les graphismes bien compressés et tout, c'est énorme. Oh, Yakuza! On a vu du Yakuzo.
Phil Spencer. Le retour de Leisure Suit. Et ouais, il fut sucré, exactement. Au moins, on est libre d'imaginer tout ce qu'on veut. Tu vois ça, là, ce truc-là. Voilà, c'est ça que je vois quand je lance les bus, c'est énorme. SOHD, un nouveau conquer, oui, j'attends. J'attends ça de ouf. Alors, tout ce temps, tous les fans Xbox autour du monde. My name is Robbie Bach, and I had the privilege of being in charge of Xbox until I retired from Microsoft in 2010. Oh, c'est le... Now, when we started Xbox 20 years ago, c'est un ancien patron qui revient là. Away from Microsoft to get into the living room. Il était retiré et il revient là. Il n'y aurait aucun nouveau jeu. C'est pas nouveau. A built-in hard drive to help games evolve beyond the limitations of discs and cartridges. A global dedicated online service to let you play with old and new friends. Un online service, c'est vrai qu'ils, comme la Dreamcast, ils avaient la première Xbox, ils avaient misé leur communication sur le online. We face skeptics and doubters. I'll be honest and say inside and outside of Microsoft. We had missteps along the way. There were lots of challenges involved in getting that first Xbox out the door. Il y a eu beaucoup de challenges. So when I think about what it took to bring Xbox to life, I always remember that success was not guaranteed. Le succès n'était pas garanti. For what Xbox is, that transformed that vision into reality. A vision only comes to life when others share a belief in what's possible. And for that, we are grateful to all of you, our partners, developers around the world. Dreamcast trop en avance sur son temps. Jamais touché online, la première Xbox, pareil pour la PS2. Le Power On. L'histoire d'Xbox. Oh, un documentaire en 6 parties. Microsoft is gonna make a game console. We weren't sure how we were gonna do it. Risk was enormous. Microsoft va faire une console, je sais pas comment nous allons le faire. C'est des images d'archives, ça ? Phil Spencer. Oh putain, Diego Maradona. Le nom que vous connaissez. Non, c'est le documentaire, c'est des extraits du documentaire. Avec des images d'archives et tout. Samus. Pour l'instant, on n'a pas vu... comment il s'appelle ? Steve Ballmer. Pour l'instant, on l'a pas vu. Developers, developers, developers. DirectX. Ah, le v'là. Lui, attention. Lui, il y est plus hein, maintenant, mais attention. Lui, il rigolait pas. La Dream, toujours ma préférée. On va le regretter. Un peu PS2, c'était infâme le lag. Oh, il y a Giroud. T'as vu? Il y avait Olivier Giroud. Oui, la première manette Xbox, elle était incroyable, quoi. Elle était immense. C'était quoi ce machin? C'était quoi ce bousin? Allô? Oh! On le connaît, lui. PS2 Hall. Le Red Ring of Death, Snoop Dogg, incroyable. Oui, le Red Ring of Death, ça a coûté je sais pas combien à Microsoft. Avec le service après-vente et tout ça. Phil Spencer. Girouette. Salut Big, bienvenue à toi. Don Matrick, excellent. Les connexions qu'on avait à l'époque, ça devait pas être simple. Daltrick. Bonjour. Quelques fois rayé, la fin du jeu, la console est verticale, j'étais vert.
Ah, ça sera live en, le 13 décembre, le documentaire. Sur YouTube. Oh putain. Ouais, je suis le premier à voir la Xbox. We're excited to have you with us today. Now we're going to relive some of our favorite moments, hear some words of wisdom from our very own Phil Spencer, and definitely have a little bit of fun. Volt. Thanks, Rock. And it really is an honor to have you here. Believe oh, Bill Gates. Et Dwayne Johnson. I know that you're a oui, c'est vrai, il y avait The Rock. WWF champion. Not to mention c'est vrai qu'il y avait The Rock au lancement de la Xbox. Bill, I'm very flattered. I'm a big fan of yours as well. J'y connais rien à toutes ces conneries, mais ça sera certainement génial. Microsoft Corporation, a leading worldwide provider of software for the personal computer. Je casse une PS5 devant Micromania. By creating Windows in 1983, a multitasking graphical user interface environment that runs on MS-DOS-based computers along with Windows NT and Windows 2000. Completely self-contained operating systems that feature networking, symmetric multi-processing, multi-threading, and security. Bill, you've certainly revolutionized the technology we know today. Merci. Ça me fait plaisir. Wow. Rock, that is impressive. So, for the first time, let me now unveil Xbox. Regardez la Xbox. Bon, ça a été présenté par Bill Gates parce que c'est le fondateur de Microsoft. Mais en réalité, je pense pas qu'il ait vraiment... été impliqué dans le projet, non ? Comment ça ? Parce que c'était quelqu'un d'important, fallait marquer le coup. La Xbox. Ça crash. Xbox Live Arcade énorme. Dead or Alive la base. Oui, ça va pas être que ça, j'espère. Et voilà le meilleur, Phil Spencer. Gamertag P3. Un interne. So when I think about the years of Xbox and what games mean to all of us, I always come back. Le t-shirt Halo Infinite. Around the world, gaming is all about people. That's it. Games are all about real people coming together. Des vrais gens. Qui créent des expériences et des relations. Geographies and cultures and age and all the things that can separate people in other parts of life. Personally. I've been fortunate to see that la base des boobs. Énorme la Xbox, les jeux étaient... Oui, c'est vrai. C'était la plus puissante. Des monuments, Halo 1 et 2. You, gaming creators around the world, are at the forefront of the world's most exciting art form. But the reality is that as an industry, none of our work comes to life until it's enjoyed by our players. You, the global gaming community, are a powerful force, and it is you've made our game as popular and important as it is today. Pretty much every day when I'm off work, I'm on Xbox. I'm chatting with friends, we're driving Jeeps off cliffs in Forza, I'm trying new games in Game Pass. This is where we live, and we've all seen how ouais, quand même, c'est puissant comme message. Human relationships can be, especially in the face of real life adversity. Il vit dans Xbox. I think about you, our community and our creators. And I want you to know that I'm dedicated, Team Xbox is dedicated, and this company is dedicated to continuing to invest. Sont dédiés à continuer à investir. As we build the best, most welcoming and most fun entertainment ecosystem anywhere. La plus accueillante. At Xbox. We're on a mission to bring the joy of gaming to everyone. Apporter de la joie à tout le monde. On est honoré de les avoir rejoints.
together. So thank you and see you online. Thank you everyone. J'ai passé beaucoup de temps sur Buffy, énorme. Alors, trois potes qui ont fait du online. Je sais. But of course it was only online. I've never seen him in person. Tanner lives in Spokane, Washington. Les témoignages. He's here. La distance. So crazy. And let's pack up and head to... La distance, c'est rien du tout. Loin des yeux, loin du cœur. Les friends. On a vécu tellement de choses, c'est incroyable. Maintenant, on va ken. Ouais. Kazumi. La Xbox Mini annoncée. 2015. C'était à l'E3. Moni chic, j'aime le jeu vidéo. Juste du jeu qu'il y avait sur la première Xbox. Oli, les autres waifus semblent fades. Ah, le backward compatibility. Après, je vous ai dit qu'il y aurait beaucoup de branlettes. Hein. Rigole pas, Uno vers minuit avec les américaines bien chaudes. Énorme. Ça promet. Oli, c'était une fille que j'avais mis dans mon générique. Hein. Mes génériques de fin sur jeuxvideo.fr. Hein. Il y a 15 ans. Maintenant, elle doit être mariée avec plusieurs enfants. Avoir 35 ans. C'était une ado, hein, une belle anglaise blonde. Et elle était fraîche, hein. Elle respirait la joie de vivre et tout ça. Elle faisait du playback, c'est par-dessus les des musiques. Et je la mettais dans mes génériques de fin. Non, non, mais c'est une fille comme nous. Hein. Une fille nobody, quoi, sur Internet. Maintenant, elle a disparu de la circulation. Et c'était une anglaise, faisait des vidéos sur YouTube, des vidéos des hauts coteurs, des vidéos délire et... Non, non, c'est Star Wars mes couilles, là. Et voilà. Une beauté. Mise dans mon générique. Agile Outcast, bien joué. Gears of War. Cameo. And Sonic Generations. Cameo ? C'est quoi ces conneries ? Sonic. Ah, ils sont déterminés à préserver les jeux qu'ils adorent. Ça, c'est bien, parce que les jeux qui disparaissent... Oh, backcomp ! Il y en a d'autres ? On en parlait justement au début. Thank you, everyone. C'est quoi ? Il y a un lien xbox.com/backcomp, là, c'est quoi ? J'ai pas compris. Ils vont ajouter des nouveaux jeux dans le rétro-compatibilité ? Ah, la 360. Ils vont faire chaque console, ok. Ça va être long. Ils ont optimisé les jeux. Allez, quand même. Ouais, je veux ma Xbox. La seule console Xbox que j'avais. Et que j'ai. Que j'ai acheté. Et non pas GHB. La 360 pour Tenchu Z. Essentiellement. Alan Wake. Et ça me permettait de faire les vidéos démo de Halo Reach, tout ça. Projet Natal, excellent. C'est Kinect, hein. Kinect. Oui, c'est Projet Natal. Ah ouais, quand même. Tout le monde danse. Minecraft, Banjo. C'est marrant. Peut-être qu'elle te cherche aujourd'hui. Cameo, c'était bien. La moitié de ces news sponsor. Oui, oui, ben, de toute façon, j'ai posté un tweet, hein, t'as vu ? 6 news sponsor en un seul jour. Hein. Oh, énorme, il est de retour.
20 ans plus tard. Énorme. Il a perdu ses cheveux. Mais maintenant, j'y vais plus, hein. Jeuxvideo.com, c'est terminé, hein. J'ai pris la décision de plus y aller avec ces conneries. J'en ai déjà marre. Il va annoncer Jumanji 3. Énorme. Le sac banane. Attendez, ils ont un noir avec un sac banane. Oh putain. Oh, Netflix ? Ah oui, c'est vrai, Red Notice. Ils n'ont pas oublié la pub. My co-stars Ryan Reynolds and Gal Gadot, being the master thieves that they are hell-bent on getting into the vault and getting their hands on these artifacts themselves. Attention, je vous avais dit qu'il y aurait beaucoup de branlettes, hein. Pour l'instant, c'est beaucoup de... Ils ont des centaines de prix. Ah oui, quand même. On peut gagner ses lunettes et tout. Game Pass collector's cards. We got hundreds and hundreds of them for you guys. And last but not least. Cette console pour voir des films. Ok. Il va lui montrer ce que c'est que des vrais flingues. Des erreurs ont été faites. On est conscient qu'on a merdé parfois. On n'a pas toujours pris les bonnes décisions. Chez Xbox, on croit en le fait d'apprendre. Alors, il montre surtout des fails de jeux vidéo, là. Au fait, t'as vu la news, l'une des dernières news jeuxvideo.fr.com que j'ai regardé. Le classement des jeux les plus joués sur PS5 et Xbox, Series X. Ah, Fortnite, hein. Fortnite, numéro 1. Des jeux les plus joués. T'achètes une PS5 et une Series X pour jouer à Fortnite, quoi. C'est la tristesse absolue, hein, cette gêne. C'est incroyable. Ça la fout mal, hein, quand même. Oh là, c'est quoi ? Oh oui. Ben, on l'avait suivi en live, non ? You breathtaking ! C'était énorme. Ah, c'était à l'époque où Cyberpunk, ça avait tout pour être un jeu de ouf et c'était pas encore de la merde. Sur PS4 et Xbox One, en tout cas. Bonjour, mademoiselle. Faut acheter un micro. Mexico. Le forum mythique. Un article il n'y a pas longtemps, le mec a trouvé son parfait sosie. Pour moi, les jeux vidéo sont un moyen de s'évader et de penser à autre chose, ah. Mais surtout de découvrir des univers incroyables. Un français, c'est Clément Langlais. Multijoueur, mais surtout de s'amuser, c'est plus important. Il est où Julien ? Il est où Juju ? L'engouement Fortnite, Minecraft, jamais compris, je dis pas que ce sont des mauvais jeux, même les petits de ma famille sont passés à autre chose, d'accord ? Maintenant ils sont sur Roblox. J'avoue, hein. C'est un peu étrange quand même. Ah, Xbox One maintenant. The vision that we've worked on for so long, you see it in real products. Xbox One X, the most powerful console ever made. That journey from vision to reality. C'est un peu chiant, j'avoue. Je vous avais dit, hein, de toute façon, il y aura beaucoup d'auto-félicitations. Hein. Mais on y est presque. On a presque fini, je suppose. Ça fait que 23 minutes. De toute façon, à mon avis, ils vont garder l'annonce de ouf pour la fin, s'il y en a une. Dites-vous que...
Gardez bien à l'esprit que rien ne garantit qu'il y en aura une. Ça se trouve, il n'y en aura même pas. Hein. Ça se trouve, ça va être ça pendant tout le long, ça va durer 40 minutes. Et on se sera fait chier du début à la fin. Hein. Dites-vous que ça peut arriver. Ah oui, quand même. L'Unreal Engine 18. On est là pour les waifus, de toute façon, on a dit. Donc, ça va chier. Bonjour mademoiselle. On la connaît, on est d'accord. Hein. C'est Bond, quelque chose Bond, voilà. Bond. My name is Bond. Elle, c'est une valeur sûre. Une waifu sucrée. Elle s'est habillée en Néo. Je sais pas combien de temps ça dure, on sait pas. On sait pas combien de temps ça dure, hein, la conf. La PS5, elle sert à jouer en ce moment. Elle joue à tout. J'attends la Corée, la Chine, la vraie next-gen. Ah, le L400 dort déjà. L'effet de mode, mon frère a commencé à y jouer un bon gésier. Tous ses amis y jouaient, pourtant, il n'aime pas plus que ça. C'est juste pour faire comme tout le monde, excellent. Mais tout est possible hein, dans cette conf. Gardez bien à l'esprit que c'est surtout... C'est surtout un live anniversaire, entre guillemets. Le live anniversaire de BB300, dimanche prochain. Ah, le Game Pass, c'était sûr qu'ils allaient en parler. Ils misent énormément là-dessus, donc... Je m'achetais la Play pour faire pareil. Sinon, ça va. It's a core principle that inspires everything we do. So please join us as we look forward to the next 20 years and more as we unleash creativity in. Mais ça n'existera plus les jeux vidéo dans 20 ans. Un Kanak 500. Thank you for being the core of what makes. Thank you everyone. Mais c'est vrai que plus le temps passe, moi je me retrouve dans les jeux vidéo en ce moment, ça devient dur. De plus en plus de trucs scandaleux, c'est ignoble. Oh, Paramount! C'est quoi le bordel? Plus ça va, plus c'est compliqué, hein. Regardez, c'est quoi? Pourquoi ils me mettent des films, là? Droit d'auteur! Hitman, le film. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Un film Halo? Un film hollywoodien? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une new series sur Netflix. Oh putain. Sur Paramount Plus, qu'est-ce que c'est que cette bouse? Encore un truc Disney Plus et tout ça, ils cassent les couilles avec ça. Il va y en avoir combien de ces merdes? On chie là. Warner mes couilles et tout ça là. Bunny Ross. Patron de 343 Industries apparemment. Oh putain, ça déjà c'est une surprise. On est au courant. On est d'accord, ça existait pas là. Ça déjà, c'est une annonce hein, qu'on connaissait pas, non? Le son, merde. Oh, j'ai arrêté le stream en appuyant sur zéro. Ah bravo, du con. Ça, c'est bien joué. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Pourquoi j'ai appuyé sur 2, 3 ou 4 ou mes couilles, là? Merci, Roscoe. Y'a rien, c'est moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai appuyé sur 2, 4, 5 mes couilles, là? En quoi t'avais besoin? Ah, c'est à cause de Aizen, salaud, va. Enfoiré, Aizen. Salut, K2M, bienvenue à toi. C'est toi, Aizen, t'as parlé de Carax 500, là? Ben, j'appuie sur 5 pour regarder... Pour regarder sur Internet, c'est quoi ce truc de brin, là? Ça existe même pas, en plus, là, cette bouse. Mais c'est bizarre, parce que j'ai tapé 5-0-0. Ça aurait dû... À partir du moment où t'appuies sur 0, putain, ça déconne ce truc, c'est bizarre quand même. Comment ça se fait, putain? À partir du moment où t'appuies sur 0, ça devrait remettre la voix normale. Peut-être j'appuyais trop vite. Allez, un concert maintenant, c'est de mieux en mieux.
Heureusement que je suis là pour vous sortir de votre sommeil, hein. Paul Glass. C'est con. Bien joué le L4 comme d'habitude. Il y avait aussi Kaiser et Crypt. Le L4 sauvage. Oui, on a décidé de faire la conf hein, aujourd'hui. Remerciez-moi. On a décidé de suivre la conf en live, hein, mais pour l'instant, il s'est rien passé. Je sais pas si tu la regardes de ton côté depuis 20 minutes, mais là, ça fait 30 minutes et il s'est pas passé grand-chose. Oula, c'est quoi ce bordel? On a eu une annonce d'une série live Netflix, entre guillemets, pour Halo, sur Paramount+. Je connaissais même pas ce truc de brin, mais... J'avoue, j'ai bien ri. Ah, c'est une valeur sûre, hein, comme d'hab. Pokéball pour le capturer. Les sons grésillent, c'est pas très agréable pour les oreilles. Ben là, le 5, c'était... Le robot. La radio. C'était le 5, hein, c'est ça? Le radio. Attendez, je vais essayer de cliquer. C'était celui-là, là? C'était ce son-là que vous avez entendu, la voix? Spaceman. Caveman. I'm the blue Halo clock. Ça, c'est le moment Halo, hein, je suppose. On sait pas trop pourquoi, mais bon. Le concert du The Event. Oui, non, on pourra pas faire pire que le stream Sega, hein, où il y a des Japonais qui parlent pendant une heure et demie. Non, le Sega Namaste est le pire, hein. J'avais pas fait de live dessus. Oui, d'accord, merci. Merci les gens. C'est bizarre. Voir, je vais essayer d'appuyer rapidement trois fois, là. Bah si, normalement, ça devrait l'annuler, hein. Si, le fait de faire 5-0-0, ça devrait le couper. Motherfuck bitch, asshole. C'est bizarre quand même. J'ai fait un clip où le L4 découvre le clip du bonheur. Énorme. La boucle est bouclée. Ben, c'était toi déjà qui avais fait ce clip, le clip que je regardais. Et donc t'as fait un clip quand je regarde le clip que t'avais fait. C'est énorme. Hein. Le serpent qui se mord la queue. Un viking. Et Tom French, il parle pas French, c'est quoi ces conneries? Poulet. Attendez, je vais virer ce chat de brin là. Donc là, il me parle de Halo Infinite, je suppose. Là, je fais attention à rien du tout. C'était sublime. J'avoue. J'aurais pas regardé perso. Merci les gens. Le jeu sort bientôt, hein, normalement. Courant début décembre, c'est ça? Le Halo Infinite. N'hésitez pas à acheter notre jeu en masse. Ah, Infinite, là, on voit, là. Le multi, peut-être? US Navy Seals. Pas juste le solo. Je sais plus. Non, il me semble que le c'est solo et multi. Hein. Mais il n'y aura pas tout le contenu. Hein. Le reste arrivera en mise à jour gratuite plus tard. En 2022 et tout ça. Ce sera pas complet, mais les deux vont sortir normalement. Oula. Le multi est gratuit, c'est vrai. C'est le multi, pas le... Il sera quand même payant, le jeu. Mais tu pourras donc avoir les deux séparés, c'est ça? Après l'achat du L4. Non, je pense pas que ce soit juste le multi. Hein. Le multi et le solo vont sortir hein, début décembre. Mais ce sera séparé du coup. C'est que le multi qui est F2P, hein, pas le solo. Tu vois, Season 1. Il y aura des trucs qui n'arriveront qu'à la saison 2 ou 3.
la coop multi ou je sais pas quoi. Même gratuit, le multi, c'est pas mon truc. FDP. Meta available now. La polémique, le Battle Royale, ce sera un échec. Hein ? C'est fini ! Oh ! Cette déception ! Oh, cette déception ! 70 titres réto, j'y vais plus. Chez Dubrun. D'accord, donc ils ont... Hein ? Attendez, c'est fini ou pas, là ? Jump in. Oh putain, ils ont coupé comme des sacs. Non, mais c'est abusé ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc l'annonce, c'était juste la série Netflix ? Mais non ! Oh, oh putain ! Bon. Bah écoute. Je pense que l'annonce de ouf, c'était la série Netflix, hein, et des nouveaux trucs ajoutés dans le... Non, je suis dégoûté, c'est quoi ces conneries ? J'étais du brin ! Oh non, cette déception de ouf ! Attendez, je vais quand même faire refresh F5. What ? Bon, bah écoutez... Eh ben, c'était ce live tout magnifique et exceptionnel sur le série Netflix et Halo Infinite, dispo maintenant. 35 minutes, la culture du vide. Apparemment, GTA Trilogie est pire. Bon, ben, encore une fois, les insiders, hein, les influenceurs, les gens qui disaient... Quelqu'un m'a prévenu qu'il fallait être présent. Bah dans un sens, oui, il avait pas vraiment tort. Bien joué, X-Boîte. Dans un sens, il avait pas vraiment tort. Hein. Oui, on a eu des infos, c'est vrai. Et de toute façon, on savait qu'il n'y aurait pas de nouveaux jeux annoncés. Mais quand même, quoi, on aurait pu s'attendre à un frigo Xbox, taille réelle cette fois-ci. Un vrai frigo et pas un mini-truc avec des canettes de bière. Ah, dispo maintenant ? Quoi, sérieux ? Non. C'est pas ce que j'avais cru comprendre. Pourquoi je regarde plus leur conf ? Le multi du Halo dispo... Mais il me semblait que c'était que la bêta, en fait. Il me semblait que le multi du Halo, c'était que la bêta. Ah, d'accord, Xbox Hygiène. Ah, je vais aller voir. Outcast 2. Mais c'est vrai que j'avoue que... Alors, fais voir. Conférence 20. Appliquer les choix. Les annonces à attendre. Attendez, accueil. Ah oui, c'est vrai. Multijoueur et saison 1 disponible maintenant. Ah oui. Ah oui. Mais pourquoi il y avait marqué bêta ? Il est bien disponible plus tôt que prévu. Si la campagne solo sortira le 8 décembre prochain, la partie multijoueur est quant à elle jouable dès maintenant, comme nos sources nous le confirmaient en fin de semaine dernière. Eh ben ok ! Vous pouvez donc jouer à Halo Infinite, disponible plus tôt que prévu, en accès anticipé, entre guillemets, la saison 1 du multijoueur maintenant. Il s'agit d'une bêta avec le contenu complet du mode multi. Toute votre progression sera conservée jusqu'au 8 décembre 2021. Ok. La bêta, la progression est conservée. On peut même pas croire les insiders. Non mais ça se trouve, c'était ça. L'info, le multi jouable dès maintenant. Parce que oui, pour le coup, c'est surprenant. J'avais pas compris comme ça, moi. Comment ça, télécharger Halo Infinite ? Le store !
On peut y jouer, là, sur PC. FR Games Store. Obtenir Game Pass inclus à Game Pass. Choisir une édition. Non disponible séparément. Hé ! Comment ça ? Mais free to play, ça veut dire free to play, hein. Non mais apparemment vous pourrez vous pouvez y jouer sur Xbox, mais pas sur PC. Qu'est-ce que c'est que ça là ? Info Steam ! Ok. Salut Predator, bienvenue à toi ! Info en exclu chez le L4. Sur Steam, d'accord, merci. Merci les gens. Bah écoute, peut-être qu'on fera ça, hein, un de ces quatre. Allez, à un de ces quatre, fais voir. Je cherche sur Steam. Peut-être qu'on se fera ça en live, hein, gratuit. Ok, c'est ça. Date de parution, 15 novembre. Apparemment, il vient juste d'être... Ouais, pour le coup, c'est un peu mieux. Ça remonte un petit peu le niveau de cette conf. Hein. A plus sous le bus. DOA 3.4 est trop compatible. Votre Canax, c'est cadeau. Le télécharger, je suis curieux. Oui, n'hésitez pas. Hein, 50 cents, 50 cents rétro compatible, je meurs. Sérieux ? Où tu as la liste tu l'as, c'est quoi ? C'est sur quel site la liste des jeux rétro, Roscoe ? Parce que oui, apparemment, il y a ça aussi. Hein. Ça ferait trois trucs. Série live, Xbox prévu, Splinter Cell. Non, c'est Time Splitter. Sur Paramount+, le multi de Halo dispo. Merci le lien, Roscoe. Merci à toi. Deuxième, le multi de Halo Infinite disponible dès maintenant. En free-to-play, encore une fois. Et troisième, eh bien, des nouveaux jeux annoncés dans le rétro-compatibilité. Comme Time Splitter, Dead or Alive 3 et 4, Autogi, 50 Cent. 50 Cent Bulletproof. Attention. Mais ouais, honnêtement, si on voit les choses comme ça, oui, il y a eu des annonces pour le coup. Mais c'est vrai que, de toute façon, comme d'habitude, on s'attendait à des trucs de ouf. Et c'est pas vraiment... On est forcément déçus. Hein. Sur JVC, garde des consoles, topic des 70 jeux pour les 20 ans. Ok. Meilleure chaîne en scred. Bon, bah écoutez, on se laisse là, non ? C'est la fin de ce live tout en folie consacré à... Je me garde ça de côté, là. Je me garde le multi de Halo Infinite. Et on verra bien ce que ça donne, un de ces quatre, tu sais quoi. C'était le live spécial 20 ans de la Xbox. Merci à vous d'avoir acheté du brin. 33 jeux FPS Boost Series X. Ah ouais, quand même. Le live était terrible, la conf était catastrophe. Merci le Aizen. On a eu la clim du L4 comme d'habitude. FIR 1, 2 et 3 rétro-compatibles. Ça c'est bien, quoi. Pour les gens qui aiment la rétro-compatibilité. Pas mal de jeux Xbox première du nom dispo. Hein. Son skill sur Halo, peut-être un de ces quatre hein, dans un prochain live du samedi. Allez savoir. En tout cas, merci à vous d'avoir été présents pour ce live tout en folie. C'était costaud. Ghost in the Shell, d'accord, pas de problème. Merci à vous d'avoir été présents. Bonne soirée à vous. Bonne semaine qui arrive. Et on se retrouve samedi prochain pour le prochain live, comme d'habitude. Nier 1 rétro-compatible. Ok. Merci à toi, le Roscoe. Merci à vous, et on se retrouve ce samedi pour le prochain live. A plus ! Et ce live sera disponible en rediff, je sais pas trop quand, sur YouTube, et non pas du croquant. Merci l'horoscope pour les cheers ! Merci à toi pour les beats qui font plaisir. Merci à toi l'horoscope, et merci à vous. Regardez l'épreuve Vossler. Bien sûr, la base. Merci à toi. Merci à vous. Allez, à plus. Énorme.